L'association des femmes du RADP États-Unis a célébré le vendredi 28 juillet 2023 à la mosquée de la 115e rue Hitch le retour de la maigre de son excellence Anza Camara. La cérémonie a commencé par une prière dite par l'imam Soumaoro. Deux fois, oui, je suis trappé de... Donc, Allah Kira sallallahu alayhi wa sallam, one day you're gonna die. Think about that day. Be humble. Il faut respecter les gens. Hedi Amadon. Eh Allah. Ni Mambala, ni Mahedi Keba. Aïsabari. Aïsabari. Les membres du personnel de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU, du consulat général et du SPC ont également honoré de leur présence à la dite cérémonie. À l'entame, son excellence Anza Camara a adressé des mots de remerciement aux organisateurs, à ses collaborateurs du consulat et du bureau économique, ainsi que de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU et à la communauté venue d'autres États. Chers frères et sœurs en Islam, comme il manque la tribune de l'église, on a prié pour toute la communauté, on a prié pour le pays, la Côte d'Ivoire, pour notre président, pour la cohésion, la paix. Le droit que je peux faire pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous donne la santé. Que Dieu renforce notre foi et notre fraternité. Que Dieu vous donne tout ce que vous pensez, ce que vous avez dans le cœur. Le plus important pour nous dans la diaspora, à l'étranger, c'est de pouvoir suivre, avoir des biens, aider la famille en Afrique. Que Dieu vous aide dans cette quête. Je ne suis pas un grand parleur, donc comme l'imam l'a dit, effectivement, Amina, j'ai récupéré des Corans pour la mosquée, trois pour la mosquée, et j'ai pris un Coran pour lui-même. Que Dieu nous aide et nous protège. Donc je vais demander au frère Kabaté qui va continuer en là pour nos frères. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kuma bana fola kwa vraiment même c'est quand même fois nyana imam bana kuma na ami mi bena na ya amba fu ani chia yere ye amba kela anya dule anta kela bakoro ye aba kela Alassane Ouattara le anya representa le Anza Camara ya le ya ambe ya present et tout nina
Donc, na ka président ya ta ka dinema. Alou fana sans vous là, moi je suis rien. Donné djé à la injé à l'oublier. Anya im anya consulat ta la ejila. Donc, voilà là en gros en mi bella jenu wili. Abanya kutu la ou kutu na je sais. Et ni mota la ejila me ejila doke. Donc anana o le kusa amba be wili la aina abena dwa ou kanye. Kadwa ou kanya douye kan ben kele mandounina. Alay akli mi mandama. Vraiment abenche. Merci. Salam. Merci. Merci à toutes les soeurs qui sont là. Je suis vraiment ému et très touché. Merci à la communauté de New York. Merci à mes collaborateurs et du consulat et du bureau économique. Merci à mes frères qui sont venus de partout, de Philadelphie aussi, de New Jersey, d'Atlanta, surtout Bétou. Merci d'avoir fait ce déplacement depuis Atlanta. Elle est là, voilà. Merci beaucoup. J'apprécie. En tout cas, dans cette peine, je prie le bon Dieu qu'il répande son bienfait sur nous tous. Qu'il renforce notre foi et notre fraternité. Qu'il nous donne la santé et qu'il accède à tous nos désirs les plus profonds. On sait que l'aventure n'est pas facile. Nous tous aurons des projets, les uns et les autres. Que Dieu puisse vous aider à réaliser vos projets. On est ici, on pense au pays. Que Dieu donne la santé au président Alassane Ouattara, afin qu'il continue de mener ce bon bateau ivoirien à bon port. Regardez-nous un peu partout. Dieu merci, la Côte d'Ivoire est un oasis de sérénité et de tranquillité. Que Dieu répande sa grâce sur la Côte d'Ivoire pour que la cohésion existe toujours, dans la paix, dans la tente surtout. Que Dieu aide le président à développer davantage la Côte d'Ivoire. C'est très important. La cérémonie a pris fin par des prises de photos de famille.